reprend le combat de boss. Ah bah ça va. On a repris de l'as, c'est bien. On reprend alors qu'il a de la, on lui a mis la sauce là. Il l'a dit hein. Il l'a dit. Ah, je l'ai pas entendu. Il a dit Hive Five. Je suis sûr qu'en fait l'écureuil après il va dire ouais mais c'est parce que je me fais bully par mes potes en fait. Attends, je m'occupe de la monorpale. Ah non mais il veut pas. Blague de merde. Ok, je peux pas lui mettre sur le cul parce qu'il y a le bouclier qui m'en empêche. J'aime bien parce qu'on fait des feux d'artifice, alors ça. Bah, ça donne des petits effets sympas. Ça illumine tout le salon. C'est Jean-Michel LED, mais à son apogée, tu vois. Ils l'ont pas encore fait, Jean-Michel LED. Mais laissez-moi tranquille! Ouais! Jean-Michel Leb. Avec un accent chinois. Bonjour! Bonjour! Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, Michel Leb, c'est un comique qui est désormais cancel. Pas sûr qu'il est au courant qu'il est cancel, mais bon. Mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Non mais laissez-moi, moi, saucer votre rêve. C'est malsain ce que tu viens de chanter. C'était censé être malsain. Bon, moi, en tout cas, je vais bien saucer le cul là, normalement. Alors mettre une couche. Elle veut pas, elle se retourne vers moi, elle m'emmerde. Ouais, ah ça y est. C'est parce que là je suis là moi. Voilà, maintenant je suis devant. Si tu passes derrière, normalement il va être focus sur moi. Voilà. Voilà, il appelle la frappe aérienne, c'est bon. Du coup on a repris là. Évidemment, il fallait qu'il apparaisse pile à cet endroit là quoi. Ah non mais. Pourquoi les ciseaux ils ont spawné sur moi? Alors d'abord ils vont commencer par la. Ah non, ils vont pas dans la baraque. Hein. Ah non, mais il n'en est ah pas non. question. Heureusement qu'elle déborde, sinon je serais déjà tombé du machin. Ok, j'y vais. Je vais saucer la reine. Ah, mais non. Il faut lui saucer le dos maintenant. Il faut lui saucer le dos, d'accord. J'y retourne. C'est bon, le dos est un peu saucé. Je focus. Alors normalement j'ai mis quelques trucs sur ces. Les moyens de faire péter. C'était pas ma guerre mon général. Il avait perdu ses jambes. Il avait perdu ses jambes. Oh, le feu d'artifice. Je sauce, c'est bon, y'a de la sauce partout dans le dos. Voilà. Oh oh. Oh, merde. Bon bah on va devoir la faire en slide. On peut pas changer de direction. J'ai pas l'impression. Ok. Pouvoir,
chose me dit qu'il faut sauter la tête maintenant. Ah non, la chaîne, la chaîne. Oh merde. Ok, j'avais pas vu qu'il y avait des trucs sur la route. Ouais, moi non plus. De toute façon, c'est pas comme si on perdait de la vie, j'ai l'impression. Sauf si on crève en même temps. Oui. Là, je sauce, mais bon, avec les boucliers, ça ne va pas du tout. En fait, c'est dur de se focus à la fois sur les boucliers à exploser et sur les mecs qui viennent se mettre au milieu de la route. Voilà. Là, c'est bon. En fait, il faut d'abord s'occuper des boucliers et puis après, ils vont apparaître en bas. Je sauce. Ils ont déjà un peu de sauce, là. Je recharge un peu ma sauce. Mais c'est là, dur de viser, hein. C'est ah voilà. Il y a trop de trucs à viser en fait. Je sauce la chaîne. Je sauce aussi les obstacles. Je sauce la chaîne. Je recharge un peu. Là c'est bon. Faites la chaîne au puits. C'était pas ma guerre mon général, c'était la guerre des écureuils. Des écureuils. Là, c'est qu'il souffre parce qu'on attaque sa chaîne quoi. Mais il va pas me dire que le maillon de la chaîne là il. Merde! C'est bon! Oh, on l'a eu! Ça nous aura pris 30 ans! Bon, maintenant on va enfin savoir qui se cache derrière tout ça. C'est un bourdon? What? What the fuck? N'importe quoi! Et les bourdons c'est des mâles normalement. Bah celle-là c'est une femelle. Il y a un accent anglais. Ouais. Elle nous a volé le nectar. Pourquoi on la défend? Oh purée. Oh non. On avait promis le nectar à Golgotha. Là, elle est en mode Lara Croft, voilà. On avait promis le nectar à Golgotha. Bon, même si Golgotha est morte, quand même. Oula. Voilà. En fait, le nectar, c'est hautement inflammable. Le nectar est hautement inflammable, je l'ignorais. La prochaine fois que je verrai du nectar, j'essaierai de te craquer une allumette à côté. Bon, en fait, ce jeu, c'est B-Movie. Pour l'instant. Oui, et tu piques pas. Ça pique pas, mais ça s'accroche dans les cheveux. Oh,
Oui, d'ailleurs, les humains font tout pour te tuer. Attention, il y a Rambo qui arrive. Maman, elle a dit qu'elles étaient spéciales. Non, c'est pas ma guerre. On a eu les guêpes, maintenant faut se débarrasser des écureuils quoi, on appelle l'exterminateur. Salope ! Elle se barre ! Connasse ! On t'écrasera quand on retrouvera notre taille. Alors on va pas attendre, regarde, il y a une machine gun là-dessus, et elle est encore à portée. Le petit bruit d'écureuil. On dirait des jeux pour chiens. On va acheter. Justement, j'allais dire qu'on allait acheter un putain de Doberman et on va le lâcher dans le jardin. Pourquoi c'est toujours. Ah non, c'est. C'est moi qui tire. Je regardais le... ton écran. Ah, je peux tirer en arrière en fait. Okay. À mon avis, on va avoir dans pas très longtemps. Un bug. Ouais, je bug. Oui, tu bugs. Ouais, je faisais du sur place. Pourquoi est-ce que dès qu'on monte dans un véhicule, c'est fini? Le jeu. Serveur de merde. Alors déjà dans Star Wars on nous mettait des ponchos. Et vous empêchez Rock de rejouer une deuxième fois avec quelqu'un d'autre à Way Out. Bon ça n'a pas été de notre côté, on va aller dans... Je suis encore sur place. Malheureusement, je fais du surplace, donc je tire un peu n'importe où. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Ah, maintenant, on a des vrais ennemis. Ah bah voilà, je suis encore sur place. J'ai essayé de passer les... les pièges des écureuils. C'est ça leur plan pour arrêter les guêpes des bottes de paille. Je respecte leur choix. Mais je vais quand même foutre le feu à l'arbre dès qu'on retrouve notre taille normale. Il y a beaucoup trop d'écosystèmes dangereux là-dedans. Et là-bas, tu brûles la souche. Et j'ai peur que bientôt on se retrouve avec un problème de. Et des. Et Méduse qui se balade dans la fosse sceptique aussi. Ok, je traverse. Tant mieux pour les dégâts. Il y a des chasseurs-tis. Je sais qu'on dit des chasseurs taille, mais je suis pas raciste. Bon. En même temps, ils balancent des putains de bottes de paille au milieu du truc, t'es censé les shooter, mais comme tu bugs, tu peux pas, mais du coup, je peux pas toutes les... Je peux pas tout éviter non plus. Tire sur une porte, n'importe laquelle.
C'est bon, on est passé. Y'a des petits fighters derrière nous. Ouais, j'essaie de les avoir. Mais je sais pas pourquoi ça bug. Je tire n'importe où hein, parce que je vois rien, je suis encore figé. Bah, tire devant, tire. Mets-toi. Non, c'est de l'autre côté devant. Ah ouais, merde. Oh, tant pis, je crois. C'est bon, on est sorti. Ah non, Rumbo. On a plus d'artillerie. Time to say goodbye to the doll. Can't wait to smash your wooden face. I can't wait to kick your furry ass. Ah, maintenant c'est. Pourquoi je suis la plateforme de Smash Bros. Il fait un Duken. Non, mais il faut qu'on foute le feu à l'arbre là. Non. Il faut vraiment qu'on foute le feu à cet arbre parce que là c'est pas possible. Je peux pas parler. Il y a des écureuils qui font du Hadouken. C'est de la triche là. Vas-y, tue-la. Finish him. Bah ça c'est... KO. Et aussi t'as détruit l'arbre, t'as détruit le véhicule en même temps. Félicitations. Voilà, j'ai buté l'écureuil qui fait des Hadouken. Et en plus de ça, t'as complètement dégommé l'avion. Oh, mais non, mais. Ah non, hein. On va encore bugger. Non, c'était pas épique, c'était Origine. Alors, on a les égouts directement ouverts dans le jardin. On essaie. Voilà. Ah, oh non, on a trouvé un clown au bout. Ah, c'est ça en fait. Attention! Tout le monde flotte ici, même mon caleçon. Oh là 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 là! Oula! Bon. Ça a tenu le choc! Alors, l'objectif c'était quand même de retourner, il me semble, à la maison. Il me semble. Mais là, on s'en éloigne. C'est à nous ça, la cabane. Je sais pas, mais le jardin a l'air bien grand. Ok, donc c'est le cabanon et la maison. Donc on vient de retourner à l'arbre. Faut faire pleurer la fille. Il faut la faire chialer, sinon... Alors... Ok. Ah, ta mère est en état de mort cérébrale. Cosmobob. C'est Buzz l'éclair de la planète des singes. Do you have that headache again? Ok. Je sais pas, moi quand mes parents ils font la sieste, je viens pas avec Cosmobabouin. But when you feel better, maybe we can play with Moon Baboon again. Moon Baboon. Je préfère la version anglaise. En fait, ils ont tous un accent britannique. Si t'écoutes bien, ils ont tous un accent britannique. Sauf le docteur Hakim. Ouais, lui, évidemment. Connasse.
Je suis sûr qu'elle, avec ses oreilles, elle l'a entendu. Alors, en fait, c'est la fille cachée de Vincent, mais elle a les oreilles surdimensionnées. C'est-à-dire que je suis sûr, là, madame, là, elle s'est tapée Vincent. Sauf qu'elle n'a pas hérité des gènes de son nez, elle a hérité des gènes de ses oreilles. Voilà. Et dans le prochain jeu, on aura quelqu'un qui a un menton surdimensionné. Voilà, ou un front. Un long front, mais... Un Cosmo Babouin, qu'est-ce que c'est derrière, là? Pourquoi il y a... C'est quoi comme jeu? Oh, c'est... regarde, il y a la Katsuki derrière. Ah ouais, la nuit. C'est la Katsuki bleue. By the seat of your pants. Oh, ha, ha. You're a real comedian, you know that? Oh, thank you. Look, there she is. Oh, ah, on lui casser la gueule pour la faire. Okay. Pour la faire pleurer. C'est là que les écureuils redébarquent. Thank goodness. Let's go and talk to her. Oh, on a buté les guêpes, mais on n'a pas buté tous les écureuils, on en a juste buté une dizaine, quoi. No, no, I meant she might get scared with dolls, remember? Of course I remember. Aïe. Par contre, la musique, de mon côté, la musique bug, du coup, j'ai juste eu les castagnettes. J'ai juste eu... Tata. Il est apparu. Quel genre de gamin a des posters comme ça dans sa chambre? Genre un poster de petits clowns et des petits dinosaures, sans licence. Ah cool, on a encore des castagnettes, et on a encore... une nouvelle phase. We have to. Or we'll be stuck. Bah, cette fois-ci, on n'a plus les armes. Et ça, c'est l'écureuil qui nous filme, je parie. Je crois que c'est le Mandalorien. Oh non, c'est le babouin. C'est Moon Baboon. C'est Cosmo Babouin. Ouais. On l'appelle Cosmo Babouin ou Moon Baboon? Purée, il y a des couleurs partout ici. Elle a beaucoup de coussins dans sa chambre. Je pense qu'il est temps de réduire le budget de la gamine. Ah, encore un mini-jeu. Les frères tankistes. Non, c'est ma console, ça, tu dégages. C'est genre... C'est vrai en plus. Ok. Il m'a tenu à changer d'arme. Lancer des grenades sur mai. Putain, on dirait un jeu Pokémon. La musique. Non. Moi aussi, jouer à World of Tanks. Revivez les meilleures batailles de la Seconde Guerre mondiale. Cette vidéo est sponsorisée par World of Tanks. Ouais! J'ai gagné! Et c'est sur ces images que j'arrête la vidéo! Non, vraiment, ça fait. On va sur une nouvelle phase, autant arrêter. Non, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime, à commenter cette vidéo, à la partager. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir les lives de Rox. Le lien est dans la description. Je vous dis à la prochaine sur Dark Tech ou Gaming. C'était David à plus!